Je m'appelle donc Aurélie Mauger, donc j'ai le projet d'ouvrir une épicerie zéro déchet à Briec. Donc ça va ouvrir fin août et ça va s'appeler Au comptoir d'Aurélie. Donc épicerie zéro déchet qui proposera tout le nécessaire en alimentaire en vrac. Alors tout ce qui est sec, ça va être les pâtes, le riz, les légumes secs, les fruits secs, farine, sucre, etc. Mais aussi des cosmétiques sans emballage, donc des cosmétiques solides, des shampoings, des dentifrices, mais aussi tout ce qu'on peut remplacer dans la salle de bain, par exemple les brosses à dents en bambou plutôt que les brosses à dents en plastique, tout ce genre de choses, des lingettes démaquillantes, etc. Et je proposerai également des produits d'entretien pour la maison qui seront vendus en vrac. Donc vous viendrez avec vos contenants, je les remplirai et puis ensuite vous reviendrez faire recharger vos contenants ensuite. L'épicerie aura également un coin thé-café pour que vous puissiez prendre le temps de vous poser, de discuter avec des amis et puis autour d'un café ou d'un thé que je vous proposerai. Donc voilà pour le projet qui ouvrira fin août à Briec. Et donc jusqu'au 27 juin, 23h59 précisément, il y a le financement participatif sur la plateforme bretonne Kengo. Donc l'idée c'est de cette plateforme, de cette campagne en fait, c'est de pouvoir financer du matériel, des meubles pour l'épicerie. Donc le premier palier est déjà atteint, alors pourquoi pas essayer d'atteindre le deuxième palier pour pouvoir obtenir des distributeurs pour les produits d'entretien maison, ce qui serait plus pratique pour les clients. Donc voilà, je compte sur vous. Merci. Effectivement, je trouve que Aurélie nous a très bien sensibilisés au zéro déchet avec des très bonnes explications. Ça donne envie de le faire aussi chez toi, chez soi du moins. En tous les cas, pas tout, mais moi je suis contente. Je suis venue avec mes enfants et j'ai appris des choses très intéressantes. C'est très intéressant, moi je trouve. Ça permet une nouvelle démarche et de voir des gens qui ont déjà vécu ça, parce qu'Internet, des fois, on trouve plein de choses, mais on n'a pas l'expérience jusqu'au bout. Donc, on n'a pas l'échange avec les gens comme on a pu avoir avec Aurélie là. Pareil, ça apprend à faire attention à beaucoup de choses et puis bon, ça donne à réfléchir pour le futur, voir ce qu'on peut améliorer. Tout à fait partie des démarches que l'on soutient citoyennement. L'installation d'un commerce de ce genre-là, de proximité, avec des produits qui sont en vrac forcément puisque c'est la base, mais pas forcément trop éloigné. Hein. Je pense qu'il y aurait des circuits courts aussi dedans. Limiter les déchets par la même occasion. Oui, donc ça, on soutient, forcément.